Peggy 18. Il y a bien longtemps, pendant la deuxième ère, certains étaient prêts à tout risquer pour assouvir leur soif de pouvoir. Lorsque les empereurs des Longères arrivèrent sur le trône, ils conclurent des pactes avec les princes des Draas pour asseoir leur emprise sur Tamriel. Tandis qu'ils consolidaient leur pouvoir, l'influence impériale pesa sur l'empereur d'Urkorak, dit le Dragon Noir. Selon lui, seul Merunes Dagon pouvait préserver l'héritage de sa famille. De ce fait, il conclut un pacte avec le prince des Draas, assurant le règne de sa lignée pour les générations à venir. Avec ce pacte, furent créées les quatre ambitions. Ce fut Morikar, le fils du Dragon Noir, qui forgea les quatre ambitions, faisant une fois de plus appel au prince de la destruction pour créer ses armes tétriques. Les ambitions furent transmises au fils de Morikar, Léovic. Avant de se faire tuer, Léovic les cacha dans tout Tamriel, et elles furent perdues à jamais. Il n'en restait que des murmures, des rumeurs, des secrets dans la nuit. Jusqu'à maintenant. Vous n'êtes pas le seul à les chercher. D'autres veulent en prendre le contrôle, maîtriser le pouvoir d'Oblivion pour parvenir à leur fin. Vous devez les arrêter. Vous ne pouvez pas échouer. Bonsoir tout le monde, bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Est-ce que tout le monde nous entend déjà? Bonjour Artesio. Et bonjour. Salut, salut Joseph. Bonsoir, bonsoir à tous. Bon, moi je vous entends. N'hésitez pas à nous dire si vous nous entendez bien dans le chat. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on met les petits plats dans les grands, on essaye la Stream Squad, on met des trailers. Bon, les trailers on le fait tout le temps, mais la Stream Squad, normalement, il y a les drops, on a quelques soucis avec les drops sur la chaîne de Bethesda France, donc le souci c'est qu'on est obligé de lancer un live pour voir si ça fonctionne. Donc normalement il fonctionne, si ça ne fonctionne pas, dites-le moi, dites-le nous dans le chat tranquillement, gentiment, et on va essayer de régler ça. Mais normalement ils y sont, sur la chaîne de Bethesda. Bonsoir tout le monde, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup Artesio déjà d'avoir accepté de venir avec nous ce soir jouer à The Elder Scrolls Online. Avec plaisir. Yes, on va faire la quête prologue de Blackwood, du coup, en compagnie du coup de Joseph, mon collègue qui est community manager également chez Bethesda. Yes. Petit son pour Geoffrey. Ah, terrible, ça commence. Les problèmes. Alors, attendez, je vais régler ça. Pas de drop, il n'y a pas de drop pour le moment, ok. Alors, on... Je regarde. Faisons les problèmes tout de suite, et en même temps, on va discuter avec Artesio et Joseph, et après, on se lance tranquillement. Ok ? Je commence par le son. En attendant, ce que je vous propose, c'est de laisser la parole à mon cher ami Joseph. Voilà, la bonne transition. Ah oui, une très jolie transition. Pour vous parler rapidement, très rapidement, des news de la semaine sur les différents jeux, et ensuite, on se lance. Carrément. Eh ben, c'est parti pour les news de la semaine. Eh ben, du côté de Doom, il y a toujours la série de défis Chloroquine qui est en cours et qui se termine le 27 mai. Donc là, actuellement, on est à la troisième semaine. Donc
Donc faites vite si vous voulez gagner les objets exclusifs de la série Chloroquine qui vous feront un bon retour vers les années 70. Enfin, il y a le défi communautaire, un tramway nommé Boucherie, qui a un très beau nom. Attends, tu vas trop vite. Attends. Je vais trop vite. Les images. Non, c'est pas ça. Attendez. C'est celle-là. Pardon. Je désactive Artesio. Hop là, voilà. Transition. Je vais trop vite, excuse-moi. La bonne image. Voilà. C'est parti. Chloroquine. Ok. Du coup, ça, c'est, vous voyez maintenant les objets chloroquine. Ensuite, donc, on a le défi communautaire, un tramway nommé Boucherie, qui est toujours en cours. Et vous avez pété complètement les records, hein, puisqu'on est actuellement à 60 millions de démons supermassifs tués, alors que de base il en fallait 30. Mais bon, il vous reste encore jusqu'au 27 mai pour continuer de remplir, d'exploser en fait les records. Donc foncez-y. Voilà, et ensuite... sur lexical de Doom, quoi. Voilà, bah oui, c'est tout simple, hein. Faut juste exploser tout. Faut tout casser, c'est Doom. Et bref, et ensuite, dernière petite news de mon côté, c'est au niveau des réseaux sociaux, j'ai lancé un concours de popularité pour savoir quel est votre démon préféré. Que vous pouvez voir sur notre Twitter et notre Instagram. Et ce sera tous les vendredis. On vient de commencer vendredi dernier. Et je vous invite à venir nous rejoindre sur les réseaux sociaux si vous voulez aussi choisir votre démon favori. Ça, c'est ce qui se passe au niveau de Doom. Magnifique. Magnifique, magnifique. Et hop, la dernière nouvelle. C'est sur réseau, évidemment. Vous le savez, l'événement de l'explorateur est en cours pour avoir des bonus d'XP, des bonus d'or, des bonus sur les gisements. Il est live depuis fin de semaine dernière, je crois, et il sera encore disponible jusqu'au 20 mai, donc profitez-en pendant qu'il est encore temps. Ça fait plaisir. Et ensuite, des petits news Fallout. Ouais. Si tu veux, je peux y aller. Ah, mais j'avais commencé par les news Fallout, excuse-moi. Vas-y. J'y vais alors. Du coup, c'est la saison 4 de Fallout qui est toujours en cours. L'As de l'armure dans Cold Steel est actuellement live. Et enfin, le PTS est ouvert, donc le. Allez-y, si vous voulez vous amuser un bon coup. Exactement. Sur 76. Exactement. Voilà. Est-ce que le jeu est bien capturé? Oui, le jeu est bien capturé. Magnifique. Et je vais le dire en anglais pour ceux qui nous suivraient pour l'occasion norme, parce que j'ai vu qu'il y avait des gens dans le chat. Ensuite, je redis bonjour une dernière fois et on va y aller. Hi guys, for English speaking fellows in the chat, there should be drops active on the stream. We're monitoring right now. Because we're not sure. Maybe I'll drop a small message to my friends in the US to make sure, but there should be. Voilà. Et donc, du coup, bonjour à tous ceux qui sont arrivés entre-temps. Bonjour Toff, bonjour Akiller, Soul F2P, Kilkenny, Kofi, bien sûr. Bonjour tout le monde. Mais oui, bien sûr. Bonsoir à tous. Et la team des cookies, le pot de cookies entier qui a été déversé dans le chat. Bonjour tout le monde. Écoutez, n'hésitez pas à nous dire du coup pour le son, j'ai essayé de bidouiller un petit peu de mon côté. Pour les drops, on va voir. Si dans 10 minutes, vraiment ça ne bouge pas, j'envoie un message et on va voir ce qu'on peut faire. Sinon, ce sera pour la prochaine fois. Et donc, on va se lancer dans la quête de Black. Et aussi, on est en Stream Squad, normalement. N'hésitez pas à nous dire, mais il me semble qu'on est bien en Stream Squad. Donc, vous pouvez profiter des deux lives, de l'expertise incroyable, du savoir immense d'Artesio, bien sûr, et de mon gameplay plus qu'approximatif. Tout simplement. Bien sûr, de mon côté. Oui, très bien ton gameplay. on s'est tous rejoints à Fanjombre, je crois, Artesio, tu m'as dit. C'est ça, tout à fait. Alors, c'est là normalement que va commencer la quête pour les personnages en tout cas que nous avons. Tout à fait. Du pacte de cœur ébène. Exactement. On s'est tous mis dans le pacte pour faire la quête ensemble. C'est quand même un peu mieux. Non, pas à ce point. On va faire comme ça. Voilà. Et n'hésitez pas à me dire pour le son si ça vous convient au niveau du jeu, au niveau des voix, etc. Ton son est vraiment très bas, Geoffrey. Ah ouais, Kofi. Ah, c'est terrible. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui me disent pour le son? Parce que ça, c'est terrible. Serez-vous au courant de la réparation de l'inventaire? Toff, oui, on en a un peu parlé dans les forums, grosso modo. J'imagine que tu parles du problème de l'inventaire sur PlayStation. N'a pas entendu Artesio non plus. Mais tout le monde est bas. Tout le monde est bas. C'est terrible. Oui, tout le monde est bas. D'accord. Tout le monde est bas. Hop là, attendez, je remonte sur pour Discord. Moi, je suis vraiment au max. Hein. Ça, par contre, c'est terrible. Évite de t'exploser les oreilles, par contre. Alors, on va y arriver. Sinon, on fait un stream en criant, ça passe aussi. on peut ouais. Crier. Pour répondre à Toff, mais attendez, j'ai pas du tout passé le gameplay en plus, c'est terrible. Voilà. Ouais.
Pour répondre à Toff, en gros, le problème d'inventaire, j'imagine que tu parles du problème d'inventaire sur, sur PlayStation. En gros, évidemment, les patchs passent par nos partenaires de chez PlayStation, hein, évidemment, pour publier le jeu. Et il y a des délais de certification des patchs pour nous. Du coup, on est au courant de ce problème et on est en train de le régler. Et il sera réglé, en fait, pour le lancement de Blackwood sur console, soit le 8 juin. À ce moment-là, le problème de l'inventaire devrait être réglé. Ensuite, mon slip, bonsoir. Question à chasse à propos du téléchargement de Tezo via le share officiel. Est-ce normal que ça prenne des heures via la fibre pour le DL? Pourquoi ne pas mettre Tezo sur le share Bethesda? Tout simplement parce qu'en fait, Tezo est sorti avant le launcher. Et il était déjà sur Steam. Et au-delà de ça, j'ai pas beaucoup plus d'éléments de réponse à t'apporter. Tout simplement, c'était déjà bien intégré sur Steam, donc je pense que les équipes ont préféré rester comme ça. Et pour la vitesse de téléchargement, je te dirais d'envoyer un ticket à notre support, parce que moi je télécharge via Steam, mais du coup je n'ai pas noté particulièrement de problème. Chez moi, le son de tout le monde est bon. Ok. De rien, Toff et mon site. J'ai retéléchargé le jeu avec la fibre il y a deux jours suite à un souci de disque. J'ai pas noté de problème non plus. Bah moi non plus, je l'ai retéléchargé exprès pour ce stream et je n'ai pas eu particulièrement de soucis. Ah mais non. À la prochaine. Mais bon, après, voilà, le mieux c'est de contacter le support pour ce genre de choses. Qui pourront du coup aiguiller. J'ai pas du tout pris la quête, je voulais vous la montrer. Je voulais vous montrer, parce que pour prendre la quête, du coup, alors la quête prologue de Blackwood, du coup, qui est le prochain chapitre qui sortira en juin, j'imagine que vous le savez, mais il y a peut-être des gens qui ne le savent pas. Dans la boutique à couronne, en fait, en appuyant sur F1, vous avez le départ de quête, et dedans, vous avez les prologues. Et donc, celle pour Blackwood s'appelle la main d'un mortel. Et donc, il vous suffit tout simplement de la prendre, et hop, vous avez la petite quête, la main d'un mortel, tout simplement. Et on va aller directement à l'endroit indiqué sur la carte. Eh bien, allons-y. Est-ce que tu nous suis, Joseph? Moi, je suis là. Magnifique. Je te vois. Magnifique. Artesio, tu nous suis également? Yep, tout à fait. Allons-y. Les trois cavaliers, allons-y. Les trois caballeros. Attendez, parce que je ne suis pas sûr de... C'est vers le nord. C'est vers le nord, tout à fait, exactement. To the north. Bonsoir, Dark. Dispoit des chaînes vers les indomptables. Potentiellement. Nous, c'est vrai que nous, on l'a pris avec de la facilité, entre guillemets. Mais potentiellement, oui. Disponible, vous pouvez la récupérer, bien sûr, directement avec les PNJ. Il faudrait baisser le son de Joseph. Joseph, tu parles trop. En fait, c'est toi le problème. Ok. Attends. Je te baisse sur Discord. Si vous voulez, je fais de l'ASMR doucement. Je te baisse sur Discord. Est-ce que Artesio, tu peux te monter? Tiens, je vais te monter aussi, Artesio. Voilà. Et attention, parce que si je commence à lancer des touhoum d'enfants de dragon, ça va pas le faire. Voilà, Kadoar, c'est baissé pour Joseph. Il se taira désormais. Yes. Pas de soucis. Et monter le jeu. Vraiment, Kofi, je sais pas quoi faire. Moi, je suis au maximum. Je suis vraiment au maximum partout. Artesio a level up, exactement. Attendez, je reprends vraiment 5 secondes. Pas de soucis. Pour voir ce que je peux on surveille. Au niveau du son. Sur OBS, t'es déjà au max, je suppose? Ouais, je suis déjà au max sur OBS. Je suis complètement au max. On va retourner surveiller. Geoffrey. Voilà, surveiller. Les moustiques sont agressifs ici. Surveillez mon corps, s'il vous plaît. Oui, pas de problème. J'arrive, on est là. Vraiment, 5 minutes. Voilà, il y a les guêpes autour là qui nous regardent un peu mal. Qui est dans un placard. C'est... J'ai un bureau un peu particulier. Mais c'est une grande pièce. En fait, c'est juste que je prends le mur juste derrière moi, mais c'est une grande pièce. Ne vous inquiétez pas. C'est juste que c'est juste mon salon. Et... Bon, j'aime bien. Vous n'avez pas besoin de le voir. Limite, regardez le jeu. Du coup, le micro. Hop. Configuration de microphone. Test de la voix. Non, vraiment, je suis désolé.
Moi, je me vois au max partout. Chez moi, en tout cas, on t'entend très bien. Hein. J'ai poussé le son, il n'y a aucun problème. Bon. Ouais, pareil, non, ce que vous pouvez faire, vous coupez le son. Chez Bethesda. Geoffrey, vous mettez le son de mon 10. Voilà. Promis, on prend soin de vous. Hein. Vous devriez tout entendre pareil. Mais oui, parce qu'en fait, moi, chez toi, je passe par Discord, du coup. Alors que moi, sur, oui. stream, sur le stream de Bethesda, je passe par OBS. Eh oui, donc les oui, sources oui. sont un peu différentes et effectivement, tu dois être, ça va être plus simple pour toi de régler. Moi, je peux utiliser en plus une petite table pour mixer tout ça, donc j'ai pu booster un petit peu vos sons, du coup c'est le son très, est parfait, très bien. Le son est équilibré, bon bah parfait. Parfait, parfait. Je vais passer sur le casque, ça va aller mieux. Ah oui, c'est peut-être ça, Kofi. Après tout, j'ai une voix particulièrement agréable, je suis sûr, aux oreilles. Ne pas hésiter à m'écouter avec le casque. On peut y aller. On peut y aller. Allons-y. Voilà. Les problèmes de son ont été réglés, plus ou moins. Ils ont été bidouillés en tout cas. C'est la magie du direct, hein, ça arrive. Bah bien sûr, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Et donc la monture que tu as, c'est celle de la précommande, hein. C'est c'est le Vuelva. Exactement, c'est le Vuelva peau de Naga, qui est ma foi fort imposant. Oui. mais fort sympathique. On dirait qu'il a fait un peu de développé couché ou quelques pompes, hein, parce qu'il est pas raqué quand même. Ouais, complètement. Lui, il a skip le leg day. Hein. Il a pas fait les jambes, lui, à la salle. Il a vraiment fait que les bras, mais ça lui donne une bonne démarche. Voilà, l'Irante, bien sûr, qu'on retrouve. Vous l'aviez certainement vu dans le trailer d'Annonce. Très, très bon perso. Croise dans la quête principale et aussi, si je me trompe pas, dans la quête de la cité impériale. Qui s'y est parfaitement à cet Argonien, soit dit en passant, tout à fait Moonrise. Pourrait-on un jour louer les maisons classiques à des PNJ? Ah, je vois ce que tu veux dire, Frelon Paille. Afin de se faire un peu de PO et de donner l'étudier aux demeures. Pourquoi pas? Je peux transmettre en tout cas aux équipes, l'idée peut être sympathique. L'idée peut être sympathique, mais sans promettre quoi que ce soit, en tout cas je transmettrai bien entendu, avec plaisir. Trouver Tyrande dans leur antre du coup. Très joli antre, hein, des belles ruines. Comme il en parle. Des ruines et les îles d'ailleurs. Bien sûr, on reconnaît tout à fait le style, hein, avec les grandes pierres, les grands plafonds, les grands espaces et surtout ces magnifiques cristaux turquoises. Où êtes-vous? Je vous perds. C'est magnifique, c'est de toute beauté. C'est de toute beauté. C'est de toute beauté. Nous sommes là. Bon. Hey, je vois que t'as... Attends, c'est le morpholite que tu as, c'est le... C'est le morpholite, tout à fait. C'est, on parle du familier, du petit familier rouge, absolument, qui peut évoluer en fonction des événements. Classe. Tout à fait. Alors, j'ai ressorti un personnage du pacte pour l'occasion, un personnage auquel je n'avais pas joué depuis moult semaines, presque moult mois, je pense même. Donc, et que je n'avais pas beaucoup joué, d'ailleurs. Hein. Donc, le gameplay est approximatif, bien sûr. Mais ça, de toute façon, voilà. Ça va bien se passer. On est à 3, on est à 3, le jeu est assez accessible. Il y a Artesio surtout qui est là. Il y a Joseph qui, bien sûr, est le DPS du groupe. Exactement. Yes. Avec mon petit niveau 5. Je suis là pour booster aussi. Hein. Oui, je vois ce que tu veux dire, Frelonpaille, complètement. Je vois ce que tu veux dire. Mais pourquoi pas, hein, je vais transmettre. Je vais transmettre. Imaginez le Sench Rat et le Wellbone à peau de combat en combat singulier. Lequel soulève le plus de fonte à votre avis? C'est vrai que le Sench est très, très bien musclé aussi. Hein. C'est une monture d'Elsewhere, je crois. Tout à fait. Il semble que c'était la collector d'Elsewhere. De toute façon, dès qu'il y a des chats, hein, on peut se douter que c'est un peu dans cette zone-là. J'ai tenté de persuader cet adepte de Mérunes Dagon de m'instruire. Il a refusé. J'ai peut-être insisté un peu trop vigoureusement, mais il en est entièrement... Alors, petit détail quand même, hein, je me permets juste de dire... Le personnage, on l'a plus revu depuis 2015, je crois, ou 2016, sans doute le dernier contenu auquel elle était. Rattachée, et pourtant, c'est bien la même voix, hein, c'est la même comédienne, ils ont vraiment fait attention. On c'est fait top. Attention, Evely aussi, d'ailleurs, qu'on avait. Oui, Evely. La comédienne, rapidement. Melvina Germain, exactement. Ouais. Melvina Germain, pardon. Mais okay. Malvina, c'est moi, pardon. Malvina, ok. Exactement. Mais oui, on fait attention à ces choses-là, un maximum, bien sûr, hein, ça dépend de plein de choses, mais quand on peut, on le fait. Bonsoir, équilibre. Mais du coup, ouais, ça fait bizarre de la revoir. C'est super, ça fait une cohérence, ça fait une continuité, j'aime beaucoup. Complètement. N'hésitez pas à me dire, parce que j'ai mis les voix des PNJ un peu faibles. Mais si vous voulez que je les monte un petit peu, n'hésitez pas à me dire. Je me penchais sur les activités de ces adeptes de Mérunes Dagon
Lorsque j'ai rencontré un obstacle, il m'en coûte de l'admettre, mais seul un mortel pourra l'écarter. De quel genre d'aide est-il question ? Une cache impériale se trouve derrière cette porte dissimulée. Malheureusement, l'entrée est protégée par magie pour empêcher les miens d'y pénétrer. Bien sûr. Je cherche un mortel capable de briser cette protection afin que je puisse voir ce qui s'y cache. Prenez cette amulette. J'ai eu beaucoup de mal à l'obtenir. Avec elle, vous devriez pouvoir briser la protection et ouvrir la cache secrète. Nous devons dévoiler les mystères qu'elle abrite avant les Dagonistes. Le sort de votre monde en dépend. Les Dagonistes, carrément. D'accord, je vais briser la défense. Cette amulette devrait vous permettre de supprimer la protection afin que nous puissions entrer dans l'annexe dissimulée. Je l'ai fait fabriquer exprès pour cela, mais elle ne fonctionne que pour les mortels. Faites vite, je n'ai pas toute la journée. On y va. Elle est pressée, hein, elle n'a pas le temps. Alors, il me semble que du coup, c'est un memento, l'amulette, si j'ai pas de bêtises. Oui, non, pas du oui, tout à fait. C'est ça. La protection. À la fin de chaque quête prologue donne une petite récompense, un memento, par exemple. Bien sûr. Eh ben c'est parti, on y va. Let's go. Et Zebardi. Je sens que d'autres protections nous attendent. Occupez-vous-en, j'attendrai ici. Ah bah ça bosse pas dur, hein. J'attendrai ici. Non, bah, c'est juste en bas. Allons-y, mes amis. Je suis. Une bien belle tenue que j'aimerais bien avoir en déguisement sur le jeu. Ça arrive, hein, de voir des tenues qui deviennent de PNJ qui deviennent des tenues en jeu. Peut-être un jour, mais je ne peux pas l'assurer. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas joué. Hop là, voilà. Elle part un peu dans sa bave. Alors nous avons une sorte de coffre là sous. Une cache impériale. Une cache impériale. J'ai levé la malédiction. Approchez, chers amis. Merci bien. Nous avons une carte du bois de Gratte. Bien sûr. Quoi. D'ailleurs, on peut regarder les objets qu'on loot. Mm-hmm. Ils apparaissent dans un petit onglet d'objets de quête. Et vous avez une petite description à côté. Ah oui, c'est vrai. Alors attendez. Oui. Parce que je vais... Oh, c'est pas grand chose. Hein. C'est pas grand chose, ni dis-tu. Oh là là. Si c'est pour les objets, c'est. Ouais. C'est la petite flèche pour les objets de quête. Mais oui, complètement. Mais j'ai vu le. J'ai vu toi, voilà, c'est toi que je voulais. Ouais, merci. On peut pas looter tranquille ici, hein. C'est terrible. Non, ils aiment pas, hein. Ils sont pas loot friendly ici. Non, complètement. Hein. Alors que Je vais aider Joseph qui. Oh là, je me bats, je suis dans un petit coin, pardon. Y'a pas de soucis, attends. Je suis là. Fais bon, un petit peu de soin. Ah, je me rends compte que j'ai même pas pris la nourriture, j'ai pas pris les parchemins. On fait ça tranquillement, hein. On fait ça tranquillement. Oui. Franchement, c'est une quête prologue, on peut vraiment y aller en mode détente. Seigneur Vampire serait bien sympa aussi. Ah oui, complètement. Ah oui, un polymorphe du Seigneur Vampire. Ah ouais, on dirait pas non. Hein. Ça, carrément. Voilà, ça c'est bien. De même, je n'attends qu'une chose, c'est un potentiel, de potentiels invités bardes. Je sais pas l'ordre du jour, mais par contre, si un jour ça arrive, c'est du instant... Vous en faites pas, je remonte assez souvent, assez fréquemment la chose. Hein. Les équipes, je pense, le savent. Je pense un PNJ bard dans une maison, ce serait merveilleux. À la cool, exactement, Moonrise, exactement. Là, c'est surtout l'occasion, on va pas tryharder du tout, hein, surtout l'occasion de discuter un petit peu avec vous, de montrer un peu la quête tranquillement. Assassin de la flamme éveillée. Mais non, il faut que je... Niveau combien avec ton personnage Artesio ? Tu fais beaucoup trop de dégâts. Bah mon personnage est au niveau 50, mais après c'est les points de champion et l'équipement oui, qui font un peu la différence. Bien sûr. Ah, soulève de paix, je suis désolé. Peut-être un jour. Il existe pas le déguisement d'Amnur ? Je pensais qu'il existait. Mais je me trompe certainement du coup. On veut le directeur de l'Académie de Vin enfin que... Je pense qu'il parle du skin qu'a Abnur Tarn dans Elsewhere, c'est une autre apparence. Oui, c'est ça, tout à fait. Je vois ce que tu veux dire. Ouais, il faudrait un petit Bob Lennon portatif pour me suivre partout. Je les ai toutes
est immortel. Et maintenant, dites-moi, qu'avez-vous trouvé ? Oui, voilà, il y a la première version du costume d'Abnur qui existe. Voyons voir. Plutôt sympa d'ailleurs, hein. Il y a tous les compagnons, il y a le prophète, Lyris, Abnur, Saïsan. Ouais, complètement. Il y a aussi les tenues des héros. Héros bretons. Ah ouais. Le héros breton, la tenue est juste beaucoup trop classe. Intéressant. Que peut-vous tirer de ces plans ? Des plans architecturaux, bien sûr. Et il ne s'agit pas des constructions si courantes dans votre monde. Non. Ces plans incorporent de puissants éléments d'Edric. Une sorte de salle forte, cela va de soi. Renforcée et améliorée par une matrice arcanique complexe. C'est intriguant. D'ailleurs là, elle parle un peu des empereurs des longères. Et si jamais vous faites les donjons via du dragon noir et le chaudron, il y a également un lien avec ça. Ça prépare en fait, tout doucement. Tout à fait. Un peu le premier contenu des portes d'Oblivion, la saga de l'année, comme on aime bien l'appeler. Complètement. Surtout notamment la villa qui appartenait à la villa des rois. Qui en soi en plus sont de bons donjons, quoi. Mais en plus, ça donne toujours des petits éléments d'histoire et de lore qui sont très appréciables. La villa, petit coup de cœur hein, pour la villa, vraiment très très bon contenu. Tout à fait, tout à fait. Exander, il n'est pas prévu absolument pas pour cette année de rajouter une nouvelle classe de personnage. Alors, les portails, hein. Première version des portails. Ouais. Et ceux de Merune, du coup, ceux qu'on verra dans Blackwood, vous les avez peut-être vus dans les trailers, ressembleront beaucoup à ceux-là. Et ces portails-là, du coup, apparaîtront de façon aléatoire dans la région de Blackwood, dans le Bois Noir. Et vous pourrez aller les explorer. Un peu comme on le faisait dans Source 4 Oblivion. Hein. J'ai eu un petit aperçu sur le PTS, c'est impressionnant. L'ambiance dans le portail. J'ai fait qu'un tour, hein, mais. J'étais sur le stream quand. Tout de suite, les souvenirs qui sont revenus, c'est incroyable. Complètement. J'étais sur le stream quand t'étais dessus et on voyait les gros Dremora, les gros Tedra qui se battaient en fond et tout, qui faisaient 20 mètres de haut. Ça donne vraiment une très très bonne ambiance. C'est vrai. Faut qu'on aille où maintenant ? Alors là, elle nous a envoyé au bois de Gratte, je crois. Ouais. Elle nous a fait voyager rapide, hein, ces voyages rapides de. Les portails, hein, les portails. Et là, elle attend qu'on entre apparemment dans le petit donjon qui est devant nous. Eh bien, allons-y. Anne Salas. Encore un pas et je vous tire une flèche dans le genou. Soulève TP. Vous n'avez pas une tête d'adepte ? Un plaisir que ça te plaise en tout cas. Je transmettrai. Ah ben, Evely. Petite référence. Vous avez entendu sa menace ? Elle vous tire une flèche dans le genou. Mais attention, c'est pas anodin comme référence. Ah c'est voulu, hein. Eh oui. Des caches impériales ? Vraiment ? C'est amusant. C'est exactement ce qui m'amène ici. Mais ensuite, j'ai trouvé un groupe d'elfes des bois que des soldats du pacte attaquaient. Et un groupe d'adeptes d'Edric Fou. Vous êtes sûr que vous n'êtes pas avec les adeptes ? D'accord. L'ennemi de mon ennemi et toutes ces. Fais vite confiance, hein. Elle est gentille. Ah, ça se bâtonne. Hein. Ah ouais, elle est géniale. J'imagine que je peux vous faire confiance pour le moment. Les adeptes répondent à un certain Échille le porte-ruine. Ah non, quand je dis que la comédienne fait un travail super sur ce personnage, c'est génial. Complètement. Plus loin, sans doute. Le chef des adeptes a soudoyé les soldats pour passer sans encombre. Si vous nous dégagez le passage, je ferai sortir les elfes des bois. Et puis je vous rattraperai. Nous nous rejoindrons pour éliminer les adeptes. Hop. Allez, Barguide, il y a deux écoles, quoi. Tu vois, il y a deux écoles de pensée sur Orsinium et le doublage d'Evely. Mais il y a des gens qui aiment bien. Mais je sais aussi qu'il y a des gens qui la trouvent un peu énervante, mais. Au moins, il y a assez de jeux pour avoir un avis dessus. Et ça, on peut partir à la comédienne. Mmh. Et si vous voulez la voir un petit peu, la comédienne, on a eu la possibilité de l'interviewer. Vous trouverez les VOD sur la chaîne YouTube et également normalement sur la chaîne Twitch. Sur le live, c'était quand ? C'était en fin début avril. Avec les dates, ça vous aidera.
où en tout début du live, on interview rapidement la comédienne du coup de Deadly. C'était super sympa de pouvoir poser un peu un visage et de voir d'avoir partagé un petit peu sa passion qui est le doublage. Complètement. Et qui du coup nous apprenait aussi que c'était quand même un exercice très différent de ses autres activités de comédienne. Parce qu'elle fait aussi du théâtre, etc. Et le doublage, du coup, lui apprenait également beaucoup, justement, pour... Elle se servait de toutes ses expériences pour améliorer son jeu. Pour apprendre toujours. C'était intéressant. Soulève de paix, c'est compliqué de te répondre, sincèrement. Parce que je ne suis que community manager. Donc, t'apporter une réponse là-dessus, j'ai pas tous les éléments, etc. Je peux pas dire que c'était délibéré. Sincèrement. Donc je préfère pas assumer quoi que ce soit et affirmer quoi que ce soit à ce niveau-là. Forcément, ça a eu un impact sur les équipes, etc. Forcément, mais franchement, je peux pas répondre. Je pourrais pas répondre, j'ai pas les éléments à ce niveau-là. Après, c'est quand même une bonne surprise, hein. Tout le monde s'attendait à ce qu'il y ait... On s'attendait à plein de choses, mais pas aux compagnons. Et maintenant que les compagnons sont annoncés, on n'a qu'une hâte, c'est de pouvoir mettre la main dessus, quoi. Exactement. C'est vrai qu'au-delà du contenu, entre guillemets, si je puis dire, classique, d'une nouvelle zone, d'une nouvelle histoire, des nouveaux sets, etc., des nouveaux donjons, les nouvelles épreuves et tout, bien entendu, il y a un petit système en plus qui sont les compagnons. J'imagine que vous connaissez, mais en gros, ce sont des PNJ qui pourront vous accompagner. Il y aura des quêtes qui leur seront liées. Et ça va être très sympa. Ça va être très sympa. Oui, Frelon Paille, complètement. Tu as tout à fait raison à ce niveau-là. C'est qu'une nouvelle classe, ça implique de prendre en compte tout le contenu déjà du jeu, quoi. Donc c'est beaucoup, beaucoup de travail. Ça, c'est évident. Que ce soit dans les studios ou de chez eux, ça aurait demandé aux devs, aux développeurs beaucoup de travail. Pas qu'ils s'en plaignent, hein, parce que voilà, c'est aussi une façon d'alimenter le jeu. Mais enfin, n'étant pas moi-même dans le studio, etc., je ne peux pas assumer vraiment quel était l'impact de tout ça. Je sens en tout cas. Ah oui, non, mais je sais bien, Soul, il n'y a pas de souci. Pardon, Artesio, je t'écoutais. Il n'y a pas de souci, désolé, c'est moi qui. Je pensais que tu avais fini. Je disais juste, je sais qu'il y a des joueurs qui ont quelques difficultés avec le niveau de difficulté d'un MMO qui s'attendrait à un jeu un petit peu plus difficulté solo ouais. Et qui voient d'un très très bon oeil l'arrivée des compagnons puisque ça leur permettra de faire du contenu ou en tout cas de se familiariser plus aisément avec le jeu. Ils ont détruit la protection et ils sont entrés. Et comme je disais, c'est vraiment... Les compagnons, sauf Elder Scrolls et Elder Scrolls Online, quoi. Donc, c'est des compagnons qui ont des quêtes qui leur sont associées. Si ils ont un caractère qui leur est associé, c'est-à-dire vraiment une personnalité, si selon les éléments que vous faites ou que vous ne faites pas, ça peut leur plaire ou leur déplaire et ça peut avoir des conséquences sur votre relation. Donc voilà, c'est un système assez, comme diraient les Anglais, assez fleshed out, quoi, qui est bien complet en tout cas. C'est le chef de la secte et son érudite dont je vous parle. Compte beau la petite. Et là, ça doit être la cache impériale. C'est moi où elle nous juge un peu là. Un petit peu. Que voulez-vous que je vous dise ? Je suis aussi rapide qu'une feuille au vent et aussi silencieuse qu'une ombre. Je pense qu'il faut partir chacun de notre côté pour accéder à la chambre au cas où. Je vous retrouverai sur. Bonsoir Xenova. Le dernier à planter une flèche dans un adepte est une gora pomme pourrie. Le contenu solo n'est pas très difficile pour un MMO. Ça dépend de comment tu consommes le contenu. Ça dépend des contenus, tout simplement. Mais oui, il est relativement simple. Mais il y a aussi des gens qui, tout simplement, voilà, prennent le jeu tel qu'il est et ils vont vraiment tranquillement, vraiment sans forcer. Et du coup, peuvent parfois se tomber contre des défis un peu compliqués pour eux. Ça dépend de chacun, en fait. Ça dépend de chacun. Les compagnons réagiront à vos choix dans les quêtes. Ils réagiront à vos actions et potentiellement aussi aux choix dans les quêtes. Je m'avancerai pas dessus, pas plus que ça. En tout cas, vos actions, ça c'est sûr. Il y aura d'autres compagnons dans le temps, je présume. Je ne sais pas encore. Quelle question étrange. C'est... On m'a engagé ça peut être envisagé. Un autre livre à la Villa du Dragon Noir et j'ai trouvé ce journal.
J'étais curieuse, j'avais du temps, alors je l'ai fait déchiffrer. C'était un ramassis de divagations. Soit l'empereur Léovic est fou, soit... Soit il était désespéré. Le message codé était de ce genre-là. Mais oui, il était question de fin du monde au milieu de ses délires. Je suis venue voir s'il y avait une part de vérité dans tout ça, en plus de ses délires évidents. Alors... Très bien, Evelyne. Donc Evelyne qui enquête hein, complètement sur tout ça. Elle est à fond dans son rôle, elle y croit. Hein, ah, ouais, vraiment mais... pour une aventurière. Tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Ça va, Joseph ? Bah moi je viens de passer niveau 6, donc je te cache pas que... Ah c'est vraiment l'extase. Je prends ma joie en silence là, tu vois. Mais... c'est l'extase, par chez toi, écoute, un plaisir. Ah j'ai vu la petite lumière tout à l'heure là. J'ai vu aussi. Merci. Joseph qui bien sûr travaille sur d'autres titres Bethesda, donc sur Doom notamment, donc il est moins familier avec l'univers, mais il nous accompagne avec plaisir. N'est-ce pas Joseph ? Ah bah moi je suis à fond hein. C'est pour ça que je suis très silencieux parce que je suis vraiment à fond dans le truc. Aïe aïe aïe, je vais passer pour un tyran. C'est pas Joseph, dis que tu t'amuses. Je m'amuse énormément. Merci. Je me sens pas du tout sous pression. Non ouais, c'est cool. Mais non, j'ai plus de place dans l'inventaire. Ah si besoin, je peux avoir une vendeuse ou un banquier. Bon, c'est qu'une quête prologue, je m'attends pas à un loot incroyable donc on va... Je m'en passerai. D'accord. Il y a de la baston. Quand tu dis... Ouais, tout à fait, Moonrise. Un prochain DLC Doom. Allez, pour toi, celle-là, Joseph. Alors, on en a pas pour l'instant prévu. Ok. Bon, puisque si vous avez fait épisode 2, vous savez que c'est le chapitre final. Qui est très très bon d'ailleurs. Oui. Je dis pas que j'ai bientôt terminé en live. On est pratiquement à la fin. C'est vrai, faudra qu'on te relance dessus un jour. Mm. Merci beaucoup Soul. C'est pour ça nous fait très très plaisir et on espère que ça te plaît tout ce que les équipes font. Mes flèches touchent toujours leur cible. Pouvez-vous ouvrir la cage impériale ? Mais bien sûr. Et eh bien du coup, on peut ouvrir ça. Oula. Oui, c'est celui-là qui fait une grosse lumière. Ouais, c'est celui-là qui est, en effet, un peu aveuglant. Moi, j'ai l'irante qui n'arrive pas. Oh non. Alors, ça m'était arrivé la première fois, j'avais dû faire une petite déco-recours rapide, sélection du personnage, reconnecter le personnage, et ça avait déverrouillé la situation. Eh bien, faisons ça. Et ça, ça va être un mail envoyé directement après le live, c'est inadmissible. Déconnexion. J'arrive tout de suite. Pas de problème. Ouais, faut déco-recours. Bah, C'est parti. Ça donne l'occasion d'admirer les superbes captures, enfin les superbes artworks tout de chargement. C'est vrai. Comme quoi ma surprise et ma découverte du prologue est tout à fait véritable du coup, parce que vraiment ça ne m'était pas arrivé. Je savais que ça arrivait mais je m'attendais pas à ce que ça arrive là en fait. J'avais vu des reports sur du PTS à ce moment-là, je pensais que ça avait été réglé. Bonne soirée Frelon Paille, merci d'être passé. Oui, j'ai la requête de chargement qui est très longue maintenant, c'est terrible. On va y arriver hein. Oui, après il y a beaucoup de joueurs qui arrivent je pense pour l'event double XP. Tout à fait. Forcément, ça prend un petit peu plus de temps. Bien sûr, c'est compréhensible. Ah, je vois de quoi tu parles, Barguide. Très joli, en effet. Excuse-moi, Artesio. Non, je vois aussi de quel artwork.
Je m'en suis fait une petite capture d'écran, celle-là. Ah. Elle est très très jolie. Voilà. J'arrive, j'arrive. Eh ben voilà, nickel. Y a pas eu de problème pour toi, Joseph ? Non. Magnifique. Ça devrait être bon. Et effectivement, ça fonctionne. Qu'est-ce que vous avez trouvé ? C'est intéressant ? Bien sûr que c'est intéressant. Alors, qui avait-il dans cette cache ? Avons-nous enfin découvert le secret des empereurs des Longères ? Il n'y a aucun secret, du moins aucun qui m'est paru évident. Faites-moi voir ça ? Oui, c'est un code impérial, comme dans le journal que j'ai trouvé dans la villa du Dragon Noir. Je connais quelqu'un qui saura le déchiffrer. Il m'a aidé avec le journal. Je suis sûre qu'il acceptera aussi de traduire ce parchemin. Pas très loin d'ici, juste devant Fan Racine. Cherchez le camp avec tous les livres. Je vous retrouverai sur place. Ok. Eh bien... Ah, il rentre maintenant. Allons-y. Maintenant que vous avez satisfait la curiosité de l'elfe des bois... le dédain dans sa voix. Montrez-moi ce que... Ah ben, pour elle, on est un petit peu des insectes, quoi. C'est... Complètement. Des insectes utiles, mais des insectes. C'est ça. Quand elle nous voit dans sa maison, elle dit que voilà, la maison est saine. Comme des araignées pour elle. Une pièce du puzzle. Mmh. J'irai peut-être m'amuser ailleurs. Le destin de votre monde, petit mortel, pas du mien. Ah, ça sent complètement le secret, Mumrise. Le monde mortel m'a toujours amusé. Je ferai mon possible pour vous aider si ces efforts continuent de servir mes intérêts. Hélas, je ne peux vous aider à déchiffrer le code de l'empereur. Donc, l'elfe des bois est-il en fin de compte ? Intéressant. Je vais ouvrir un portail vers cette fan racine pour faciliter votre voyage. D'ailleurs, il y a un article sur le site officiel où elle répond à quelques questions. Oui, tout à fait. Qui est très marrant. Très intéressant. Très marrant à lire. Quelque chose de puissant. Ou vraiment l'auteur de l'article, qui a été écrit par le Lore Master en fait, qui a été validé pour le coup par le Lore Master, prend le. Écrit, répond aux questions en tant que lirante et du coup lui donne cette plume, ce vocabulaire, ce lexique et cette attitude incroyable pour répondre à des questions de la communauté. Pas encore, mais mon meilleur thanataire se penche sur la question. Partez, petit mortel, résolvez ces mystères pendant que je réfléchis aux différents indices que nous avons rassemblés. Je viendrai vous chercher lorsque l'un de nous aura du nouveau. Magnifique. Bonsoir Kai, 61-91. Oui, tout à fait. La résolution du bug des objets vendus sur console, j'imagine que tu parles du problème d'inventaire, le défilement et quand tu les vends, ça se bloque un peu. Ça sera résolu au lancement de Blackwood, donc le 8 juin, pour les versions console. Voilà. Le bois de gras. Oh. C'est sympa, hein, les portails d'Oblivion, on te force à y rentrer comme ça en disant non, c'est pas menaçant, viens, viens. Viens, c'est rouge, ça, c'est rouge sang, tu verras, c'est cool. Voilà. C'est paisible. Ça te prépare pour Blackwood, comme ça, quand tu en verras un dans Blackwood, tu te méfies pas, tu rentres dedans. Là. Oui, complètement, t'as l'habitude, quoi. T'as l'habitude. Conditionné. Voici Beragon. Beragon, voici mon ami. Nous avons un parchemin à vous montrer. Beragon, let's go. Me dit que vous oh il a l'air bien sympathique. Ouais, ah, il a une bonne tête. Complètement. C'est bien impérial. Spécifiquement, il s'agit du code personnel de l'empereur Léovic. Heureusement, je le connais bien. Malheureusement, je n'ai pas sa chevalière. Sans elle, je ne peux pas déchiffrer ce texte. Eh bah tiens. Vous avez une chevalière ? C'est pas une demande en mariage, mais... Ah, mais on dirait bien que c'est celle de l'empereur Léovic. Enfin, l'une c'était des peut-être siennes. Ça. Il aimait vraiment les bijoux. C'est peut-être une liste de courses, en fait. Peut-être ça, imagine. Et maintenant ça. Dans quoi, ma sœur et vous, mettez-vous les pieds ? Ma sœur cadette, oui. Je lui racontais toujours mes aventures avant de devenir scribe à la cour de l'empereur Morikar. J'ai travaillé pour lui et pour son fils, Léovic. Evelyn dit que je décoche mes mots comme elle ses flèches. Vite et précisément. Oh. Techniquement, c'est bien dit, ça. J'ai été aventurier puis scribe. Je préfère l'encre et le parchemin aux dangers et aux exploits. Malheureusement, je crois que j'ai donné de mauvaises idées à Evelyn. Bon. Le parchemin est là, déchiffré et tout. Mais pas parfait. Ça m'en c'est un sacré compliment, Devly. Hein. Traître Varenne continue d'accrocher le rebelle sur supporteur. Je dois chose. Je vous laisse le temps de lire hein, dans le chat si vous ne l'avez pas encore lu.
Les quatre ambitions, voilà, c'est ça. C'est un point d'histoire important pour ce cher Mérinès Dagon. Je vois aussi qu'il avait prévu dans ses courses des bouteilles de lait. Bien sûr, c'est vrai. Et des raviolis. Mmh. Ça ne nous aide pas pour défaire ce complot. C'est terrible. Peut-être qu'il faut mélanger le lait et les raviolis, je sais pas. Quel enfer. Qu'est-ce que tu me racontes là, vraiment? Oh, ta compétence en alchimie laisse à désirer. Ah oui, tiens, petite chose qui fait un lien direct avec l'histoire principale du jeu, puisque oui. Là, vous voyez que mentionné Varenne le Traître, qui est en fait un personnage extrêmement important dans l'histoire Vanilla du jeu. Du coup. C'est un des personnages principaux de l'histoire Vanilla. C'est vrai complètement. Bonsoir Ozzy, oui, c'est comme je disais, comme je répondais à Kai, je suis désolé, je ne sais pas comment le prononcer. À ton collègue, on est au courant de ce souci-là et il sera réglé du coup avec le patch de Blackwood, alors, du coup le 8 juin pour les concerts. Connaissons-nous enfin le secret de l'empereur? Farul Lupus, c'est lui qui m'a engagé pour enquêter dans la villa du Dragon Noir. Mais pourquoi cette majuscule au mot ambition? Ça doit avoir un sens particulier. Merci de m'avoir aidé. Tenez. Prenez une partie de l'avance que Farul m'a versée. Si vous m'accompagnez à Fayez, ce sera certainement encore plus rentable. Le document déchiffré mentionne la personne qui m'a engagé, Farul Lupus. Ce serait vraiment l'intendant de l'empereur Léovic? C'est possible après tout. Bon, je suis censé lui apporter ce livre. Enfin, à son contact à Fayez. Bah, ça te fait bien voyager quand même. Ouais, hein, Fayez, c'est un peu à l'autre bout du monde, quoi. Qui m'a engagé à elle-même quelques secrets. Est-ce que tu peux y aller, Artesio, et on te rejoint? Oui, bien sûr. Magnifique, merci beaucoup. Sans problème. Nice. Bah, sinon à Pat, ça fait un petit peu loin. Ouais, ouais hein, on va s'épargner ça, quoi. On va s'épargner petite balade. Hein. Alors, attends, je cherche juste l'emplacement exact. Ok, ouais, c'est dans Fayez même. Très bien. J'y suis dans une petite minute. Le guide touristique, quoi. Oui, tout à fait, je vois bien. C'est parti. Ah, merci, Soul. Vraiment, tu régales ce soir. Mais oui, tout nouveau style pour un trailer ISO. Et je sais que les équipes ont beaucoup, beaucoup bossé dessus. Et on en est très, très content. On est content que ça vous ait plu. Parce qu'on a bien vu que ça vous avait plu aussi. Ok, j'y suis, vous pouvez venir. Magnifique. On rejoint. Ah, c'est vrai que j'ai levé le passage. Incroyable, niveau 14. Waouh. Gros personnage, hein, très content de le monter, sachant que je n'y retoucherai pas, mais c'était parce qu'il était... On va dire ça, si ça se trouve, c'est ton prochain main personnage. Peut-être. Non, mais c'est vrai que j'ai pas fait beaucoup de lames noires, et il faudrait peut-être un jour que j'en fasse un peu plus. Notre inventaire est plein, mais oui, je sais qu'il est plein. C'est terrible. Ouais, pareil, mon inventaire... C'est compliqué. C'est compliqué. Alors, si vous voulez, il y a une marchande ici qui peut vous... Ah. Reprendre du matériel. Venez. Oui, bien sûr. 80. Ouais. Bon, du coup, hein, on s'en fiche un peu de ce personnage. Oh là là, j'avais encore des trucs qui valent 0 pièce d'or du début, quoi. C'est pas sérieux. Merveilleux. C'est pas sérieux tout ça. Hein. Moi aussi. C'est pas sérieux. Hein. Une petite déception pour moi, c'est de pas avoir eu de fin d'extension comme pour les Swear, parce que franchement, elle était géniale celle des Swear. Ah, Loki, désolé. Désolé, peut-être que le ton matchait moins, j'imagine. Oh, mais qu'est-ce que. Mais c'est terrible, j'ai un personnage magie et j'ai tout mis en vigueur dans mes compétences. Attendez, ça n'a pas sens. C'est vous, comment vous cherchez? Ah, vraiment, bon, tu cours, hein. Ce perso, vraiment, pourquoi j'ai... Multiclassé. Ouais, non, mais pourquoi j'ai monté ce perso? Personne ne le saura jamais, mais c'est vraiment un regret. Hein. Ne faites pas ça chez vous, c'est fait par un professionnel. Oh là là, vraiment ce personnage terrible, quoi. J'aurais dû le supprimer il y a très longtemps. Enfin, du coup, non, parce que du coup, ça nous a permis de se retrouver plus facilement que moi qui crée un perso et tout spécifiquement pour avoir un rouge, mais terrible.
Alors. Bon, ça a l'air d'être ici. Ah oui, oh, cette séquence. Je dirais rien, mais. Ouh là là. Si vous avez vu Twitter, il y a une certaine scène ou une certaine posture du personnage qui m'a fait beaucoup rire. Ah, c'est là-bas, c'est pas là. C'est à l'intérieur ? Parce que moi, ça me demande. De ah oui, 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 on ah, y est, on y est. Elle est juste là. C'est parce que j'ai les absous. Quoi ? Elle est juste là ? Elle est juste là, normalement. Non. Vous la voyez pas ? Tu la vois, Joseph ? Moi, non. Plus. C'est terrible. Ok, est-ce que vous lui avez parlé là toute fin ? Quelle est votre étape de quête quand vous ouvrez le journal de quête ? Tu vas rire, ça va te plaire. Vraiment, ça va te plaire. J'ai la quête des absous de les absous de Havreglas. La magie tire force et force. Pareil. C'est absurde. Ah, attends. Attends, je te laisse chercher, je réponds juste rapidement dans le chat. Kofi, je ne sais pas, vraiment, ce genre de décision, je ne suis pas du tout impliqué dans ces choses-là, donc je pourrais pas te répondre. Tout ce que je dirais, ce serait certainement tomber à côté de la vérité, donc je préfère pas m'avancer. Oui. Est-ce que tu peux juste ouvrir ton journal de quête, voir si tu es toujours sur la quête du prologue. Ah, j'ai plus de quête de prologue, je crois. C'est dans prologue. Bah oui, justement, j'ai plus de quête de prologue. Ok. Ouais, c'est bizarre. Que quoi ? Ok. Attends, je vais voir dans la. Non, je ne l'ai pas. Peut-être qu'il y a une étape à faire avant qu'on n'a pas fait du coup avec nos persos parce qu'ils sont assez bas level. Ça me paraît étrange, mais peut-être. C'est pas un souci en soi. Ouais. Faire complètement autre chose. Hein. Oui, oui, pas de souci, pas de souci. Est-ce que t'as pas une jolie maison à nous faire visiter, Artesio, tiens ? Oh, on a toujours des jolies maisons à faire ah. visiter. Ah, il y a quelqu'un qui, dernièrement, a acquis le sanctuaire d'antan. Ouais. Très très belle maison. Alors, je ne sais pas s'il est actuellement disponible, si la personne est connectée. Bon, en tout cas, c'était la première partie du prologue de Blackwood. Donc, du coup, comme vous l'avez vu, si vous ne l'avez pas déjà faite, on revoit Alirante, on revoit Evely. Et comme ça, ça nous permet de faire du teasing. Parce que vous, quand vous la ferez, vous aurez certainement la suite. Comme ça, oui. Ça ne vous spoil pas trop. Donc au final, c'est pas si mal. Ah, c'était sympa. Hein. Ah, c'est sympa, franchement, cette partie de quête. Bah, ça gratte. Il est possible, un peu, effectivement, il est possible que pour la suite, vous ayez d'abord une étape à faire. Je pense que c'est ça. Mais ça gratte un petit peu, tu vois, côté nostalgique, en mode Merunes, les portails. Mmh. Et vraiment, côté nostalgie un peu de tout le monde, quoi. Les joueurs de Vezo avec Lirant et Evely, et puis les côtés nostalgiques avec les joueurs d'Oblivion, quoi. C'est vrai. Soyez-vous au courant de quand le prochain événement arrivera en jeu ? Je ne sais pas encore, Soul. Je ne sais pas encore. Après, sans confirmer quoi que ce soit, mais généralement, tous les 6 mois, il y a le carnage de Milan. Donc, vu que le précédent était en début d'année, en tout cas, celui-là devrait plus trop tarder. Mais je ne sais pas quand est-ce qu'il aura lieu. Alors, attendez, je cherche... Mais je t'en prie. Nous, on visite avec Joseph. Ouais. Allez-y, hein, la guilde des mages est sympathique comme endroit. Ah, mais non, on est carrément sorti, hein, tu sais. On va faire. Voilà, la taverne. Voilà, c'est ça que je cherchais, moi. Ouais, vas-y, je te suis. L'auberge d'Ombrogite. Allons à la taverne. Ah, bah, ça dort directement à côté des verres, c'est terrible ça. Pour l'instant, il n'y a pas encore de terrasse ici. Aïe, aïe, aïe. La Fayez, tu sais, c'est pas trop. Ça va, Gaius ? Non, je sais pas trop. Ah, mais le mec, c'est le renard gris presque. Quoi. C'est un fou renard gris. Ah, il est furtif. Ah, il est ouais, très très bon. Hein. Très très bon. Il fait pas, il me regarde. Prendre 1v1 contre dehors là. Un petit duel. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est bien joli. Ah tiens, il y a Okure qui me parle. Bien sûr. Ah bah c'est la guilde des guerriers, bien entendu.
Je suis peut-être même pas à la ligne avec ce personnage-là. Tu t'en sors, Artesio ? Oui, justement. Un joueur qui m'avait proposé plusieurs fois aujourd'hui de visiter le sanctuaire d'antan, en fait. Ah, bah, une demeure qui était à la vente les pas astres, très longtemps. Les astres s'alignent. Yes. Alors, il a laissé presque en l'état de ce qu'elle est. Il a ajouté une petite statue, si vous voulez voir un petit peu les... On peut te rejoindre ? L'intérieur du sanctuaire d'antan. Un lieu de la guilde des assassins. On peut te rejoindre, Artesio ? Oh oui, bien sûr, allez-y. Ah, j'espère, c'est parti. J'espère juste qu'il a ouvert la visite à tout le monde. Sinon, oups. Mais écoute, on verra. Hein. Oui. Sanctuaire d'antan. Écoute, ça a l'air bon. Ok. Ouais, ça a l'air de changer aussi de mon côté. Superbe. Donc il l'a laissé quasiment en l'état, il a juste ajouté 2-3 éléments. Mm-hmm. Mais c'est pour voir un petit peu les possibilités. C'est un sanctuaire de la confrérie noire. Ici. Bien sûr. Bah, on est dans l'ambiance, hein, j'ai envie de dire, la main. Oui. Oui, pas très clair. ça le crie légèrement, mais... Tout petit peu. C'est limite s'il n'y a pas un cadavre égorgé juste là, non, c'est bon. On pourrait y croire, hein. Vraiment. Il est très bien, l'endroit est magnifique. Hein. Tout à fait. Magnifique. Tout à, fait. À la fois effrayant et en même temps magnifique. Complètement. Oui, c'est grand. Hein. Ah oui, c'est très très grand. Et ce qui n'est pas d'origine, c'est la petite statue qu'il a ajoutée. La petite, là. Ah oui, oui. On n'a pas la même... La petite, oui, effectivement, la petite. On n'a pas la même définition. J'avoue qu'on a du mal à la remarquer. Mais oui. Donc ça représente Citis, le père du vide. Complètement. Entité importante pour les... C'est la tienne, Soul, du coup ? C'est la sienne, incroyable. N'aurais-tu pas lu l'article préparé par les développeurs qui parle de comment faire un bel hôtel au Dédra, mon cher Soul, que tu trouveras sur le site, bien entendu ? Parce qu'en fait, c'est la statue qui est utilisée sur une des images, donc ça m'y a fait penser immédiatement. Ça m'y a fait penser tout de suite. Mais elle est magnifique. Ah oui, ça, elle est... Et puis, et quel autre endroit pour mettre une statue de Citis, quoi, j'ai envie de te dire. Ah non, c'est parfait, là. C'est 10 sur 10 pour l'emplacement. C'est juste le thème, quoi. C'est juste le thème. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez également vous doucher. Il y a des cascades. Douche gratuite. En tant qu'argonien sans froid, je t'avoue que moi, j'évite. Oh, détail, tout ça, un détail. C'est si grand. Yes. C'est magnifique, hein, franchement. Mm. Ouais, c'est carrément sympa. L'hôtel d'antan, hein, tu disais, Artesio. Le sanctuaire d'antan. Ouais. Pardon. Le sanctuaire d'antan. Y a pas de soucis, mais oui, c'est magnifique, très très grand. Il y a bien un autre endroit que je vous aurais montré, mais je ne sais pas si la personne l'a ouvert pour l'instant. Si on me laissait juste une minute. Il y a des passages secrets. Ah ouais. Voilà, hein, pour vos mariages, vos soirées déguisées, réception et autres bar mitzvah, c'est par ici. Enterrement de vie de garçon, parfait. C'est vraiment tombé. Le meilleur cadre. Ouais. J'ai failli. La belle famille va beaucoup aimer, hein. Aucun problème. Bah écoute, le prix à payer pour une visite dans un sanctuaire de la confrérie, c'est un mort, hein, Joseph. Donc, Généralement, c'est une victime. Hein. Ouais, c'est une victime. Ouais. Hein, c'est... Ah, non, je vais essayer de faire en sorte que ce soit pas moi. Bon, on est que trois, donc il faut bien que quelqu'un se dévoue. Courte paille, quoi. On fait courte paille vers les niveaux, c'est ça ? Ouais. Je pense que là, ça va être très facile. Hein. Ah, mais attends, il y a encore quelque chose par là. Il y a un étage. Et oui, il y a plein de petits endroits à voir. Il y a un patio, quoi. Une mezzanine. Ah oui, donc là c'est la salle de bain. Très bien. Le beau vitrail là. Très beau vitrail, de qualité. Sinon, je serais curieux juste, est-ce qu'il y a une des maisons qui avait été vue à l'époque avec Jill et Magla qui leur avait bien plu. Ah oui. Non, j'ai pas la permission, hélas. Terrible. Ciao. Peut-être.
Bah, du coup, oui, effectivement, c'est tout raccord, Soul. Complètement. Complètement. Gloria Citis, mère de la nuit. Citis, le père du vide. Père du vide. Ah oui, c'est ça. C'est qui la mère de la nuit ? La mère de la nuit était une de ses disciples qui ensuite a été plus ou moins déifiée et est devenue une sorte de messagère. C'est ça. Ah, ça fait longtemps que j'ai pas fait les. Le lore est très riche et c'est pas un lore qui est très symétrique au final. Il y a beaucoup d'éléments qui sont. Beaucoup de nuances en fait. Des personnages qu'au départ on croit peut-être être des espèces d'unités qui en fait n'étaient pas des divinités mais simplement des idoles, des choses comme ça. Bah, Talos, hein. Il y a toujours des petites zones de flou, beaucoup de zones de flou dans le lore qui sont laissées volontairement. Bien sûr. Pour qu'on puisse. Non mais c'est terrible, là j'ai blasphémé en plein milieu du truc, j'entends les assassins qui arrivent quoi. C'est terrible. Est-ce que t'as d'autres maisons ou est-ce qu'on ferait pas un petit donjon, un petit quelque chose? Je suis en train de regarder justement si celle-ci est disponible. Oh oui, on peut. Effectivement, là je vous présente une maison qui a été. C'était une des dernières qui avait été visitée par Jill et Magla. Une maison, enfin un manoir psychique qui a été réorganisé comme si c'était un petit musée en fait. C'est ça. Ouais. J'aurais voulu en montrer d'autres, malheureusement je crois que les personnes sont. N'étant pas prévenues, ils n'ont pas forcément ouvert les accès. Bien sûr, non mais c'est compréhensible. C'est compréhensible. Voilà, vous pouvez vous téléporter sur moi, normalement, je crois que c'est accessible. Eh bien, allons-y. Ouais, j'arrive. Alors par contre, c'est beau, hein. Là, vous aviez quelque chose de très sombre et très... Oui, c'est vrai que ça va être un peu deux salles, deux ambiances, quoi. Oula, ouais, oui, effectivement. Là, c'est totalement différent, ici. Dès l'entrée, oui, c'est clairement pas la même ambiance. Oui, effectivement. Donc là, en fait, c'est un manoir psychique qui se trouve à Arteum. Tout à fait. C'est une île... qui est situé un petit peu hors de Tamriel. En gros, il y a des mages. courage, tu vas y arriver. Voilà. En gros, il y a des mages. Ils se sont dit, tiens, cet endroit, il est bien, mais on n'a pas envie d'être embêté par les affaires de Tamriel. On va carrément le sortir du monde et on va se créer une petite poche, enfin un petit monde à nous. Et du coup, voilà, Arteum se trouve dans un monde à part. Ils sont très égoïstes, hein, ces mages. Hein. Dès qu'ils ont un peu de pouvoir, c'est terrible. Bon, après, les spécialistes du lore vont peut-être crier au scandale quand je schématise et que je résume comme ça, mais oui. C'est juste pour aller au plus simple. Bien sûr, bien sûr. Et donc voilà, la partie vraiment travaillée se trouve à l'intérieur, il en a fait une espèce de petit musée. Bonsoir Zorax, j'espère que ça va. Je suis désolé, j'ai jamais eu la réponse d'ailleurs pour la question que tu m'as posée il y a moult temps. J'essaie de la reposer de temps en temps. Ils sont beaux ces bustes. Je sais pas si ça a changé depuis. C'est un bon résumé, me dit-on. Ça va très bien, merci beaucoup. On visite des maisons de joueurs qui sont toutes plus magnifiques les unes que les autres, bien sûr. Alors, à l'intérieur, ce qu'il faut savoir, c'est que les murs que vous voyez ici, ces murs-là ne sont pas d'origine. Arrête. Il y a plein de petits cloisonnements qui t'a créé. Ça commence. Tous les cloisonnements que vous voyez ici ne sont pas d'origine. Ça, c'est d'origine. Enfin, les murs sont d'origine. Là, vous avez des petites constructions. Les joueurs ont beaucoup d'imagination, hein. Franchement, c'est top. Ah, oui. Là, vous avez une espèce de golem, on ne sait pas ce que c'est, mais qui est dans le mur. Voilà. Loin, vous avez un observatoire magnifique. C'est des pièces de mobilier qui ont été mises ensemble. C'est incroyable. Ah, celle-là, je me souviens, ouais, quand il y avait eu le stream, c'était très 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 sympa. Hein. C'est très très sympa. Je crois qu'elle leur avait bien plu aussi. Hein. Je me demande si c'était pas celle qui avait eu la note finale. La note finale la plus élevée, c'est vrai. Mais il faudrait qu'un jour qu'on fasse un stream comme ça, ensemble, peut-être avec des astres aussi, si ça le tenterait ou. Ou je ne sais pas, inviter les joueurs en vocal pour qu'ils nous parlent de leur maison ensuite, tu vois. Carrément, ce serait très bien. Ce serait marrant. Ça peut être très cool de voir ça. Pour l'instant, là, okay. Moi j'aimerais bien y vivre dans cette maison. Si vous aimez bien les bibliothèques, ici vous en avez une qui est juste démentielle. Pareil, il y avait juste la pièce de base, mais tout le mobilier que vous voyez dessus a été rajouté. Les murs de bibliothèque, de bouquins, tout ça a été rajouté, l'échelle, tout ce qui est au sol. Il s'est fait plaisir. Hein. Complètement. Ah oui, là, c'est... La statue que vous voyez ici représente Sotacil, un des dieux vivants. Bien sûr, du tribunal. Hein. Oui, c'est un des dieux vivants du tribunal de Morrowind. Complètement. Zorax, ouais, du coup, si un jour j'ai la réponse, je te dirai, mais du coup, tu vois, je n'oublie pas.
Et du coup, Kilkenny, question Rising Speed, quand sera disponible à la vente La chute du maître de forge. Je suis désolé vraiment, mais j'ai rarement les infos à l'avance de ce qui sera disponible au niveau des maisons surtout. Donc je ne saurais pas dire. À chaque fois qu'il y a une vague de nouvelles maisons qui arrivent dans la boutique à Couronne, on poste sur les réseaux sociaux. Ça, il n'y a pas de souci, mais je ne peux pas dire à l'avance, malheureusement. Je suis désolé. Et bonsoir, Corben. Pareil, tout ce que vous voyez ici, normalement, la base ici, c'est une pièce. Tous les murs qui sont là ont été rajoutés. La verdure, la végétation a été rajoutée. C'est pas d'origine. Mmh. Et il en a fait une espèce de petit zoo. On ne sait pas très bien. C'est vraiment superbe. Ah oui, avec oui, des petits animaux qui sont dedans, c'est cool. Un petit jardin, tranquille. Voilà. Tranquille. Et voilà, dans l'ensemble, ça fait un musée. Très très classe. C'est très très joli, hein. Vraiment. Il faudra qu'on se fasse ça un jour. Hein. Ce petit stream là où on visite, des maisons, je pense que ça pourrait être sympa. Ça pourrait être sympa. En plus, je sais que pour avoir vu quelques interviews sur les éléments du housing comme ça, des développeurs. Enfin, nous, on voit, voilà, là, j'ai une statue de chat en face de moi, et ça se trouve, c'est juste une statue de chat, mais généralement, ils réfléchissent pour que c'est quand même un sens un peu plus poussé, et en même temps que ça puisse être assez libre à l'interprétation. Et donc, c'est marrant comment les gens peuvent se servir ou non d'une pièce, d'un élément, pour le compléter, ou habiller une pièce ou d'autres éléments entre eux, c'est toujours très très bien fait. Et c'est pour ça, je pense qu'avoir les joueurs en même temps avec nous pour nous expliquer comment ils ont réfléchi, justement, à la construction de tout ça, ça pourrait être très très sympa. Il y a un étage supérieur. Mais il y a tout. Il y a tout. Il y a une carte. Oh non, il a ajouté. C'est juste énorme en fait. C'est juste énorme en fait. À la base, vous avez juste les marches par exemple. Enfin, vous avez juste. Il y a les marches qui montent à l'étage, mais tout le sol que vous voyez ici a été rajouté. Pareil, c'est quelque chose qu'il a construit. À la base, en fait, c'est juste deux petits paliers, de petites terrasses, on va dire, et il les a reliées entre elles et a créé une partie supplémentaire. C'est incroyable. C'est ouais, c'est assez dingue. Oh, c'est assez dingue. Il y a un sens du détail. Il y a un mini chat là. Ouais, où ça? Mini tigre par là. Là, où es-tu, Joseph? On redescend. Ouais, on redescend. Ah, vous étiez monté, vous? Oui, ouais. je vois. Ça invite pas les amis, quoi. C'est classe. Juste ici. Ah oui, à côté de la mini cascade. Ouais. Et à droite, ouais. Il y a un léopard aussi dans les buissons. Ouais, en effet, il est juste là. Ah, il est juste là. Incroyable. C'est quand même la classe d'avoir une mini cascade. Sa ouais, propre mini cascade. Petite cascade, quoi. Mais j'avais vu passer des images de ci, de là, les personnes qui font des housing sur réseau. C'est, ouais. C'est un truc incroyable. Complètement. Moi, je pose une table, je mets un bouquin dessus, je mets une chaise, je recule de quelques 2-3 pas, je regarde, je fais hey, quand même, hey. Classe, ça, hein, c'est bien ou hey, quand même. Franchement, c'est de la belle table, hein. C'est vraiment de la belle table. Franchement. Moi, je suis immergé, quoi, direct. Hein. Alors, on retrouve la statue. Là, c'est la petite vraiment de. La petite, ouais, statue. De Cities, tout on à fait. D'accord. On est d'accord. Ouais, ça c'est là, la version mini. Là, ça me va. Tu dis petit. Là, ça va. Celle-là, elle tient presque dans le sac à dos. Avec les rewards et tout comme ça. Magnifique. Ouais. Ouais, non, on sent qu'il y a eu beaucoup de travail. Hein. Ah, j'ai pas vu le squelette de travail dessus. Ouais. Ah ouais. Il y en a une autre, quelques autres que j'aurais pu vous montrer si les personnes avaient été présentes ou. Mais celle-ci est déjà un très très bon aperçu de ce qui peut être fait. Il faut qu'on se garde un peu de maison quand même pour si on fait. Oui, bien sûr. Ce serait très très sympa. On a trop d'idées de live en plus. C'est terrible, on en parle. Ah, live dégustation des recettes de Tamriel. Ça va un jour. Et c'est vrai qu'il y a un bouquin qui est sorti, bouquin de recettes. Il y a tout à fait un bouquin de cuisine officiel, hein, avec les recettes de Tamriel complètement. Complètement. Et dedans, il y a la recette du. Ben, je crois qu'il y a la recette du skooma. Ouais, c'est une version soft, hein, mais ouais, effectivement, je crois qu'il y est. Bien entendu, mais oui. Le célèbre skooma est dedans. Il y a un peu tout. Dans la bibliothèque, là, elle est incroyable, cette salle. Ah ouais, sortie dans l'espace, quoi. Il y a une image. Ça rend très très bien. Ça rend très 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 bien. Mm. Non, c'est beau. C'est... Voilà. Ah oui, non, ils sont lâchés. C'est déclaré, c'est officiel.
C'est bon, j'habite ici. Je prends les clés. Ce sera désormais mon chez moi. Voilà. Je prends les clés. Voilà, là, bon, je cite quand même l'auteur hein, de la maison, c'est Femme à barbe. C'est Femme à barbe, bien sûr. Pourquoi, instinct, je, voilà. Pourquoi je ne suis pas étonné ? Voilà. Si, là, en l'occurrence, je sais que lui ouvre ses maisons souvent pour qu'elles puissent être visitées. Si j'avais été si j'avais pu me préparer, j'aurais sans doute mis d'autres personnes dans la boucle, parce que sinon les gens vont dire, bah dis donc, Artesio, il montre Femme à barbe, mais moi aussi j'ai fait des trucs. Je t'ai pris un peu au dépourvu, je suis désolé. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Mais oui, effectivement... Évidemment, Femme à barbe fait de très très belles maisons, mais ce n'est pas le seul, bien sûr. Y a beaucoup de gens qui font de très belles choses et qu'on a déjà mis en avant. Palimpseste aussi des éléments, des créations assez incroyables. Tout à fait. Alors lui, vraiment, il fait moins maison, mais il fait plus construction, j'ai envie de dire. Quoi. Vraiment, est-ce que vous voulez qu'on regarde s'il y a quelque chose qu'il aurait ouvert à la visite ? Ah, ce serait très bien. Oh. Ce serait très bien. Alors lui, en fait, c'est pas vraiment... des maisons à proprement parler, il fait des constructions à partir d'idées, de schémas, de concepts qu'il a en tête. Des espèces de vaisseaux, des fois ça peut être des locomotives, des fois c'est vraiment sympa. Alors là, je sais pas s'il a spécialement prévu qu'on visite ça ou si c'est juste une maison comme ça, mais voilà, on a effectivement quelque chose qui est ouvert à la visite. Eh ben écoute, essayons. Yep. Alors là, je découvre aussi, hein. Je crois que je connais pas celui-là. Je pense que ça lui sert surtout de zone test un petit peu. Ah. Je vois qu'il a beaucoup d'ateliers. Ouais, je pense que c'est plus une zone de craft et il teste un petit peu des choses à côté. Ce sera sans doute pas sa création la plus récente. Est-ce qu'on te rejoint ? Mais c'est assez ouf quand même ce qu'il fait. Ouais, voilà, on te rejoint. Je suis arrivé sur un personnage qui s'appelle Fait plein de soupe. Je sens que ça va être déjà sympa. Mais bien sûr. c'est un des invités. Un des invités. Voilà, typiquement le genre de création que fait Palimpseste, c'est l'espèce de vaisseau que tu vois ici. Ok. Qui est créé de A à Z. Il n'y a absolument rien d'origine ici. C'est uniquement des pièces de mobilier qu'il a assemblées et il en a fait ça. Oh, wow. Non, ah, c'est... Oh, wow. C'est pas mal, hein. Oh, wow. Bah, ouais, attends, c'est pas mal du tout. T'as pas vu, Geoffrey, hein. Ah mais moi, et encore, il a fait des trucs nettement plus imposants. Et... Il poste des choses sur le forum, j'en perds la tête à chaque fois. Hein. Ah oui, il fait des choses plus imposantes encore. Ah oui, il a une grande... Ah ça, c'est... Ça, en fait, comme on est limité à 700 objets dans les maisons, il faut voir que là, lui, ça lui sert de grande zone de craft, il a plein d'ateliers et tout ça. Donc il y a énormément d'objets qu'il n'a pas pu utiliser pour ses créations. Ça doit lui servir peut-être de... Il a un grand dirigeable en forme de baleine. Ah oui. Incroyable. Alors même juste en étant sur le pont, il y a juste une ambiance quoi, alors que t'es juste voilà, t'as quoi, t'as 15 mètres carrés quoi, mais juste entre la table, la musique, les différentes choses et tout, t'es dedans en fait, t'es juste dedans. C'est très très bien fait. Ah il y a cette espèce de narration, un petit peu narration environnementale qui est légère. Là il a pensé à utiliser par exemple un item qu'on récupère au bout de je ne sais plus quelle quête. C'est la clé squelette, c'est un objet. Il en la clé squelette, qui est un objet important dans les Elder Scrolls. Là, on peut avoir des copies. Il s'en est servi pour faire des leviers. Incroyable. Il faut avoir l'idée de poser ça pour faire des leviers, quoi. Ouais, là. Par exemple. La façon c'est malin. Il déconstruit du coup le propre de l'objet pour en faire autre chose. C'est. Mais c'est moi, Joseph, il est assis carrément à la barre. Ah bah, je pilote, hein, en voiture Simone. Ah oui, la classe, hein. Je démarre. C'est parti, vers l'infini et au-delà. J'ai débattu ma touche pour le saut par contre. Attendez, sinon je pourrais jamais sortir de là. Bon, en vrai, je suis bien ici. On est bien ici. On est bien. On est très très bien. Surtout qu'on va s'approcher tranquillement. On va s'approcher tranquillement de la fin en réalité. C'est vrai. Meuble de succès de la Côte d'Or, me dit Barguide, la clé squelette. D'accord. Je ne l'ai pas, donc je ne saurais dire. Il y a plein d'ateliers de forge ici. Ouais. En fait, ce que tu vois là, ce sont plein d'ateliers disponibles dans le jeu. Par contre, pour les collecter, c'est extrêmement long. Ça correspond à différents types de craft, différents types de sets. Ah ouais. Très 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 long. Ah oui, ça fait une belle collection. Ouais. C'est dingue quand même parce que Palimpsest a travaillé la chose jusqu'en dessous. Du ballon, genre il y a pas juste dessus, c'est vraiment même quand tu passes en dessous en fait il y a du détail, il y a des choses qui bougent, il y a des éléments quoi. Impressionnant. Pousser le concept quoi jusqu'au bout.
Lui, son truc, c'est vraiment les mécanismes. Les mécanismes, les créations, les vaisseaux. Le steampunk, quoi. Full steampunk. Hein, ouais. Nice. Il a même pensé à mettre un éclat céleste pour faire une lumière devant. C'est exactement ce que j'étais en train de regarder. Et en fait, si tu creuses un peu, tu t'aperçois que le... Bah oui, le ballon, c'est des tentes, en fait. Ouais, c'est des tentes, en fait, mises bout à bout comme ça. C'est vraiment du collage. Les chapiteaux, en fait. C'est tellement bien fait, en fait, l'illusion fonctionne complètement, quoi. Totalement, totalement. C'est assez dingue. Ça fait un peu, et ça encore, c'est pas ça, c'est pas ses créations les plus poussées, mais déjà rien que ça, c'est insane. C'est déjà très très joli. C'est déjà très 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 joli. Alors on me conseille de mon côté d'aller voir la prairie à sucre lune de Palimpsest. Si mais je vois pas trop comment faire en fait. J'ai accès qu'à celle-là pour l'instant. C'est terrible. Ouais, c'est terrible. Et ta maison à toi, Artesio? Alors, c'est une maison de guilde basée justement sur le manoir psychique que vous avez vu tout à l'heure. Ça vous permettrait de voir un aperçu différent. Bah ouais, complètement. Ce serait marrant. Ok, je peux y aller. Après, attention, hein, je n'ai pas le, je peux pas m'attribuer le mérite. Il y a beaucoup de personnes qui ont contribué à meubler la maison. C'est la maison de la guilde. C'est la maison de la guilde, tout à fait. Quand on peut te rejoindre. Bien ouais, sûr. Du coup, c'est marrant, un comparatif de. Pas un espèce d'avant-après, parce que j'imagine que vous l'avez bien décoré aussi, mais de voir votre interprétation, en tout cas, de la maison. Tout à fait. Ah, Crystal Crane me proposait de me téléporter sur lui dans la maison de Palimpsest. Version Prairie Sucre Lune. Ah. Une autre de ses créations. On n'aura pas le. En vrai, on peut faire un tour rapide ici, bon. Oui, voilà, 5 minutes l'un, 5 minutes l'autre. Ouais, voilà. Les créations de Palimpsest valent quand même le détour, ce serait dommage de passer à côté. Mais je suis sûr que celle de ta guide aussi, enfin, Artesio. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Mais nous, on est un peu timide. Oh, mais non, il faut pas. Il faut pas, toutes les créations sont bonnes à prendre, toutes les créations sont belles, et c'est l'occasion d'apprendre. Ok, j'y suis, vous pouvez vous téléporter. Magnifique. On arrive. Donc retour à la grande villa psychique qu'on a déjà vue juste avant, mais du coup interprétée par la guilde. La guilde comment? Comment elle s'appelle ta guilde d'artiste? Cookies, The Elder Cookies. The Elder Cookies, bien sûr, les anciens cookies. Les anciens biscuits à pépites. On est sur une petite cascade avec plein de petites statuettes. Oh, c'est pas mal, hein. Ouais, même l'extérieur est différent, ouais. Donc on a essayé de meubler un petit peu l'extérieur, un peu plus l'intérieur, puisque il faut... Garder quand même de la place. Bien sûr, bien sûr. 700 objets, c'est à la fois beaucoup et très peu, selon les espaces dont on dispose. Complètement. Et ça, alors, je sais, si jamais il y a des gens qui en parlent aussi dans ton chat, Artesio, ou qui vont en parler, je préchote un peu le truc, mais au niveau des emplacements, c'est une demande que je fais remonter également régulièrement. Mm. Mais il faut bien se rendre compte que c'est également quelque chose qui prend beaucoup de ressources, donc... C'est pas quelque chose qu'on fait à la légère, bien sûr. Mais voilà, tu peux avoir une petite comparaison par rapport à la bibliothèque de tout à l'heure. Celle-ci est un peu plus cosy. Oh, un peu plus cosy, nous dit-on. Oui. Là, tout à l'heure, c'était l'espace. Là, ici, c'est encore autre chose, tu vois. Là, c'est tout à fait une autre interprétation. Je pense même que, en fait, tu vois, je pense que tout à l'heure, il y a un petit effet de trompe-l'œil. Ou alors, peut-être que je me trompe, hein, où il a avancé les bibliothèques. Oui, du coup, c'est plus serré. Je me demande, hein, parce que là, ça me paraît plus grand. Il y a aussi les vitres, et aussi les vitres donnent de l'espace. C'est vrai aussi. C'est vrai qu'il y a potentiellement cette impression-là. Mais en tout cas, du coup, ouais, rien que la pièce, en tout cas, est déjà très différente. Mm. On dirait un peu Poudlard là, avec la salle de banquet aussi. Oui, oui, oui. C'est ça. Bah, du coup, c'est vrai que ça fait très maison de guilde, quoi. C'est vraiment bien dans l'idée. Et juste pour que vous compreniez, tout à l'heure, toute cette partie-là, en fait, on ne pouvait pas y aller dans la maison de Flammavarm. C'est là qu'il y avait des petits murs. Il avait ajouté des petits murs. Il avait fait grimper. Le mini zoo. Et il y avait des petits, les petites bestioles. C'est dingue. Plus là, en haut, vous aviez. Si vous levez les yeux, vous voyez que maintenant il y a une séparation. C'est ton siège. Il y a pas de plafond en fait. Ah. C'est ton siège là, Artesio. Ah, il y a plusieurs sièges, il n'y en a pas un qui est spécialement à moi, c'est beau. On en a mis plusieurs, justement. C'est beau. Comme ça, tout le monde s'assoit, il n'y a pas vraiment de chef et tout, voilà. C'est beau. Et si jamais il y a des personnes qui sont passage, il y a la petite salle de jeu
Une membre de la guilde qui aime bien la confrérie noire. Vous pouvez avancer par ici. Ah, juste derrière, incroyable. Oh, juste derrière la petite tenture. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Je vous laisse y aller. Vous allez voir la salle de jeu et ah oui, c'est comment dire salle de pour jeu. Les personnes de passage. Ouais, ok, ah, changement d'ambiance. Hein. Ouh là là. Oh. Ouh là là. Il se passe des choses. Hein. Il y a des choses très dans cette guilde. Hein. Joseph, je crois qu'ils ont refermé la porte derrière nous quand on est rentré. En fait, on va pas sortir d'ici en très bon état. Ah, tout à l'heure, on parlait de sacrifice. On l'a toujours pas fait. C'est vrai. Je te vois sortir ton couteau. Terrible. Non, je ne fais qu'éplucher une plume. Une pomme. Donc voilà, bon. On va passer un petit peu plus de temps, je pense, sur la création de Palimpsest. Oui. Est-ce qu'il serait juste possible de peut-être de me passer le lead pour que j'invite la personne qui devait m'inviter, enfin. On puisse. Alors, il faut juste que vous ouvriez la fenêtre de groupe. Je crois que c'est Toweto qui est actuellement ouais, le. C'est Joseph qui est. Voilà. En fait, ouvre la fenêtre de groupe. Ah ouais. Okay. Clique sur mon pseudo. C'est Fenris. Et tu fais. Nommer chef de groupe. On va voir chef. Voilà. Normalement, c'est bon. Ok, très bien. Je vais inviter du coup. On reviendra voir ta maison, la maison de ta guilde, enfin de la guilde plutôt. Une prochaine fois, du coup, quand on fera la chose, ce serait marrant d'avoir quelques membres pour discuter de tout ça. Bien sûr. Plus, on n'a pas vu l'étage. On a vu très rapidement. Il y a des petites pièces également derrière qui sont accessibles maintenant, qui n'étaient pas dans l'autre maison. Par faute de place, mais il y a des petites portes également ici. Incroyable. Ouais, incroyable. On reviendra la voir. Alors, je me dépêche. Hop. Ah, du coup, Crystal Crane, tu avais dit que tu étais à la prairie Sucre Lune. Peux-tu t'y rendre, s'il te plaît ? On a plus des masses de temps. Enfin, à moins que toi, t'aies un impératif de temps, nous, après, on est... Ah non, j'ai pas d'impératif de temps. C'était surtout par rapport à vous. Impérativement, hein, t'inquiète pas. Mais, ok, très bien, alors. S'il faut attendre 2 minutes, le temps qu'on du coup on profite un petit peu de ta jolie maison, la jolie maison de guilde. Ah bah si vous voulez vite visiter, il y a pas de problème, hein, allez-y. Ah bah moi, je pensais qu'il y avait un facteur temps du coup. Non, pas du tout. On se dit généralement que ça dure 1h30 et s'il faut qu'on rajoute quelques 5 minutes pour voir des jolies choses en plus des créations de la communauté, c'est avec plaisir bien sûr. On peut faire des parties de cache-cache. Cuisine, hein. On peut faire des parties de cache-cache. Après on a les marqueurs au-dessus des persos quoi, donc oui, ça va être difficile. Ça rend la chose un peu caduque quoi. Hop là, si vous aimez bien les Khajiit, bon là je vois que vous êtes argonien, mais si vous aimez bien les Khajiit, ouais, même petit espace Khajiit ici avec une ambiance un petit peu elsewhere. Il est où l'espace argonien? Où est le marais? Pas argonien, on en avait un à un moment donné, mais on a dû le déménager pour l'instant. Est-ce que là c'est un petit coin un peu Khajiit. Son squelette dans la backroom là-bas. Je suis sûr que j'ai vu son squelette traîner. Ah là là. Une salle de bain. Le fameux bureau. Il y a une salle de bain avec baignoire à l'étage, on dit. Ah bon ? Ah bon ? Ah. Première nouvelle, qui a fait ça ? Je ne l'ai pas autorisé. Là, vous avez une petite cheminée, tranquilloum. Ah ouais. C'est cosy, hein. Voilà, et puis derrière la teinture, vous avez la salle de bain si vous voulez vous baigner. Pour les argoniens, les îlots et chaud. Ah, bien sûr, magnifique. Ok. Moi, c'est un peu compliqué parce qu'on n'a pas beaucoup d'espace, donc il a fallu poser des petits paravents, hein, bien sûr. Bah, bien sûr, pour l'intimité de chacun. Évidemment, évidemment. Oui. Allons. Évidemment. Donc voilà, on va peut-être passer maintenant sur la maison, du coup. Bah, vas-y, la fameuse. Dis-nous quand tu es bon et on te rejoint. D'accord. Moi, je m'assois sur un des trônes. Merci d'être parti. Dans la maison, c'était comme nom d'objet spéciaux. Ouais, je sais, Dark Babos, je sais que c'est quelque chose qui peut freiner certaines fois et qui a déjà été remonté aux développeurs, mais c'est des choses qu'il faut prendre en considération avec en plus de plein d'autres plein d'éléments. Mais les équipes, wow, savent que c'est quelque chose que c'est bon. J'y suis, vous pouvez venir. Oh là 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 là, on rejoint. Ouais, donc là, on est sur du costaud. C'est sur du costaud, ah là là. Un peu plus costaud que tout à l'heure. Déjà tout à l'heure c'était beau, mais alors là, waouh. Oh là là. Wow, ok.
Ah oui, déjà c'est grand. C'est très grand en effet. C'est imposant. Grand. Il y a un corps de chasse. Ah oui, c'est pour annoncer l'arrivée. Corps de guerre. Bien sûr. C'est la sonnette en fait. Hein. C'est ça. Donc vous pouvez regarder déjà de loin là. C'est, ah ouais, c'est déjà, massif. C'est déjà très très loin. Limite. Ouais. Limite tu sors la monture quoi. Ouais. Et on ne peut pas. Terrible. Donc voilà, quand je disais que son truc à lui, c'est un petit peu les vaisseaux, les constructions. C'est si grand. En plus, vous avez de la chance, là il fait jour, donc on a droit au superbe soleil. Ah, c'est loin, hein, il nous faut. Il nous faut de l'eau et des vivres hein, pour traverser la zone. C'est ça, faut le prévoir, quoi. Tu le fais pas. C'est superbe. Remonter les packs d'eau, c'est terrible. Alors on me demande comment il a construit ça, bah avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de patience. Ah oui, et beaucoup de patience. Il imagine, en fait, il imagine les plans, enfin, il projette un petit peu les plans, il y réfléchit, et il construit au fur et à mesure. Il a une certaine idée à la base, et il n'en est pas à sa première construction, hein, mais ça reste toujours très impressionnant. Il a beaucoup d'expérience. Beaucoup d'expérience. Donc là, il y a la petite zone, la petite étable, parce qu'il faut quand même pouvoir déplacer les... Les montures aussi ? Bah bien sûr. Donc là, fait un petit peu cale ici, la petite cale avec des trésors. Ouais, c'est ce que je me disais, surtout que derrière, pour le coup, justement, au fond, il y a effectivement de nombreux trésors. Oh, c'est de toute beauté ! Avec plein de petites statues encore, les fameuses. Ouais, c'est vraiment la salle de trophées. Waouh. Mec est un génie. Ah oui, ici, on peut descendre, c'est vrai. Oh, c'est beau ici. Oh, c'est classe. On peut encore descendre, t'es sérieux ? Je crois que je suis venu une fois ici, il y a très très longtemps. La petite salle de bain qui va bien. Ah là là, oui. Alors, attends, est-ce qu'on peut se baigner ? Moi, on me dit que c'est frais, donc j'imagine qu'on peut le boire en tout cas. Pas que j'ai envie d'essayer. Puis là-bas, bien sûr. On voit bien tout. Parce que la prairie de base c'est un terrain plat quoi, c'est un terrain vide. Oui, c'est un terrain, il y a rien en fait. Il y a rien du coup. Donc c'est vrai que quand on apprécie justement construire à partir de rien, c'est un terrain un peu privilégié. Attendez, je magnifique. Un petit peu. Et alors les fenêtres en fait, c'est des vitraux placés à 90 degrés quoi, c'est ça. Ça, avoir l'idée de prendre des éléments comme ça du jeu et les réemployer pour en faire quelque chose d'autre. Ça, je pense que c'est incroyable. Il est très très fort pour réinterpréter les objets, c'est très fort. On me demande si le bain que j'ai pris c'était un petit bain habillé. Bah écoute, je suis un peu timide, j'ose pas me mettre en serviette de bain donc. On reviendra. Il y a même un coffre-fort et tout, c'est impressionnant. Et bien sûr, là, il montrait presque une petite terrasse, là, un petit... Mais il y a le toit. On peut monter, hop là. Je viens d'arriver sur le toit. Ouais, non, mais même juste sur toute la longueur, là. Enfin, j'imagine qu'il doit être déjà pas loin de la limite d'objets. Je pense, ouais. Effectivement, il y en a déjà une là. Mais non, c'est... Attends, comment ça, il y a quelqu'un qui est en train de marcher sur l'aile tranquillement. Bah écoute, il fait des réparations. Ouais, bien, ici, bien. Ah, c'est très très joli. Très très bien. Très très joli. Magnifique. Ah ouais, non, c'est impressionnant. Ah, c'est vraiment. Oui, je sais. Hein, c'est du beau dialogue. Ça, c'est de la belle qualité. Quand je dis ah, ça c'est. Voilà, j'arrive pas à trouver mes mots. Ah ouais, c'est fou. Eh, est-ce qu'on peut sauter? Aïe, aïe, aïe. Bon, au revoir. Hein. Bah, c'est bon. J'ai sauté. Eh, t'es tombé dans l'eau. C'est sérieux? Et attends, ouais. Eh. J'ai tout prévu depuis le début. Il est tombé dans l'eau. Ouais, il est tombé dans l'eau. Attends, viens, on va essayer. Non, on se tente un petit plongeon. Allez-y, hein. Non, je vous regarde d'en bas. On se tente un petit plongeon, on sprint. Moi, j'ai découvert que Joseph avait toujours été très, très, très... J'ai découvert quoi? Que Joseph avait toujours été très chanceux. Cascadeur. Chanceux. Chanceux, surtout. Ah, ok. Allez, c'est par là. Je peux faire... On va voir Farouk qui passe en premier. Ah. C'est chaud quand même, hein. Ça me paraît quand même vachement loin. Moi j'ai réussi first try hein. Hop là. Et bien joué. Oh, oh, oh c'est bon. Ça fait des petits guillis quand même dans le ventre. Ouais, hein. Hein, c'est ça chatouille. Hein. On y va pas sereinement. Comme pour la dernière fois, du coup, il y a des détails même jusqu'en bas hein, de toute façon.
Ouais, il a ajouté des hélices et tout, c'est incroyable. Qu'est-ce que c'est que cette petite bulle là? Ça aurait été marrant de pouvoir y aller. Hmm? Une petite bulle là. Je me suis fait TP sur l'entrée. Churras, c'est terrible. Ça aurait été marrant, une espèce de pod d'observation juste ici. Hmm. Bref, je me demande si on peut pas. Oh, c'est une belle maison volante. Mais c'est ça. Hein. C'est pas mal. Hein. Et il en a encore une autre hein, en forme de. Ah oui, oui, il a... De baleine qui est très jolie. Il y en a beaucoup d'autres. Il a même juste des, comme je disais tout à l'heure, juste des constructions en soi, des espèces de grandes statues qui fait vraiment à la main quoi, presque. Mm. C'est très très fort, très très fort. Écoutez, peut-être qu'un jour vous verrez un tweet en mode si vous voulez qu'on visite vos constructions, qu'on voit vos constructions, vos créations. Dites-le nous et on ira voir ça en stream avec des personnes. Et puis si on peut, on vous invitera dans le vocal pour que vous puissiez nous expliquer tout ça. On essaiera de faire ça un jour. Si ça vous tente. Ah, je pense que ça pourrait beaucoup leur plaire. Ah mais complètement. Écoutez, hop, je vais revenir à une scène un peu plus cosy. Où on se voit un peu plus tous les trois. Voilà, c'était notre petit live de la semaine. On fait des lives, si la première fois que vous êtes dans le chat de la chaîne de Bethesda FR, on fait des lives tous les mardis à 18h sur des jeux différents. Très chouette. Là, c'était ESO. Ça fait un petit moment qu'on n'avait pas fait de ESO. Et voilà. Merci beaucoup, Artesio, d'être passé oui, et d'avoir donné accès à de telles constructions. Eh ben merci beaucoup. Cette première partie de quête était très sympa à faire. Mais oui, si. Complètement. Surtout que voilà, revoir Lyrance, revoir Evoli et tous les petits indices qui nous amèneront du coup jusqu'au chapitre Blackwood, c'est toujours très sympa. Toujours très sympa. Et puis bah Joseph, voilà. Yes, bah niveau 6 moi. Hein. Moi je suis content. Hein. j'augmente doucement mais sûrement. Bah parfait. Écoute, c'est pas mal. Un live après l'autre, hein. Après, c'est pas en visitant des maisons que tu as beaucoup XP, malheureusement. Ah bah, j'en apprends quand même. Hein. Ça permet d'avoir des techniques un peu de... Comment dire, de build. Mais bien sûr. Je pense que ça va me donner envie de construire ma maison. Je sens que déjà, dans Fallout, ma maison, ça se constituait juste d'une table et d'une chaise. Et que je disais, franchement, c'est minimaliste, mais ça a son charme. C'est un style hein, architectural, le minimalisme. ça peut se défendre. Hein, ça peut se défendre. Non, mais quand je vois des maisons volantes comme ça, ou des musées... Ou des maisons de guildes, je me dis que ouais, j'ai encore du chemin à faire, mais... ça viendra. Oui. Bah, en tout cas, merci à tous de nous avoir suivis, à la fois sur la chaîne de Bethesda et sur la chaîne d'Artesio, hein, de nous avoir supportés, parce qu'on est rarement sur ta chaîne, mais des fois, on s'incruste un peu. avec plaisir. Est-ce que tu continues à streamer un petit peu Artesio ou pas du tout? Alors, un tout petit peu, juste le temps de dire au revoir. D'accord, ok. Bon. Voilà. Je vais pas rester encore très très longtemps, mais oui, histoire non, de non, mais c'était pour finir. Pour donner l'information, si jamais il y avait des gens qui étaient de notre côté, peut-être qu'ils auraient aimé venir du tien, mais du coup... Oui, une prochaine ils peuvent, on dira... On a des cookies, vous pouvez venir. Voilà, exactement. j'ai même mis le petit lien sur l'image, si jamais il y a des gens qui veulent te... Ah, c'est gentil, merci beaucoup. Bah oui, te visiter un jour, voilà. Artesio, n'hésitez pas. Merci beaucoup tout le monde, et puis on se dit de toute façon à la semaine prochaine. Merci encore, et puis à bientôt. Salut. Salut tout le monde. Salut. Alors, ne vous inquiétez pas, vous pouvez parler, il n'y a pas de souci.